Avril s'en vient, on entend des gazouillis oubliés. Le cardinal marque son territoire, s'époumonne à la cime des arbres pour chasser les autres mâles. Sa femelle n'est jamais très loin d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Donc la neige commence à fondre pour les colverts. Les étourneaux s'ensonnaient et les carouges se font de plus en plus actifs et visibles. Et tout ça donne des fourmis dans les jambes des photographes qui ont très hâte de sortir de leur bloc de glace, qui partent à l'aventure dans tous les sens, à l'affût du moindre signe. C'est vraiment une super belle journée pour faire de la photo. En voilà un autre qui annonce le printemps. Les merles sont revenus. Ils sont les premiers à chanter le matin, les derniers à se faire entendre le soir. On les voit souvent s'empiffrer de petits fruits fermentés. Il y en a sûrement quelques-uns qui dépassent la limite de 0,08. Pour rester sobre, rien de mieux qu'un sol qui dégèle pour offrir quelques vers de terre. Bref, surveiller les arbres fruitiers, la meilleure façon de faire de très, très belles découvertes. Tout près de chez moi, les roselins ont adopté ce pommetier bien garni. Je les ai surpris à la mi-mars en train de s'offrir tout un gueuleton. Ce petit passereau adore les baies, les fruits, le chardon, les pissenlits et nos mangeoires débordantes de graines de tournesol. Ils sont sociables, ceux-là, finalement. Au pied de l'arbre, dans une petite flaque d'eau, j'ai assisté à une scène vraiment charmante, le bain des moineaux domestiques qui se chamaillent pour leur pouce carré de trempette glacée. On vient d'ailleurs d'apprendre que les moineaux en arrache, leur population à Paris a diminué de 73 %. Alors si on veut leur donner un petit coup de pouce, bien, il faut installer des nichoirs. Des nichoirs en plus des mangeoires, c'est un coup de pouce supplémentaire pour leur survie. Ces temps-ci, la reine de la forêt, c'est la mésange. Choupette ne rate jamais mes sorties. Un peu plus, elle cognera à la porte. Et elle a deviné que j'ai toujours de quoi la sustenter au fond de mes poches. Elle fait la navette entre ma main et toutes ses multiples cachettes dans les arbres. J'ai lu quelque part qu'elle peut se rappeler des endroits où elle cache sa nourriture pendant un mois. Et l'expression dit bien « cervelle d'oiseau ». Si vous êtes en manque d'inspiration, en tout cas si vous cherchez de nouveaux parcs nature, rien ne vaut de bonne lecture. Moi, je sors jamais sans mon paquin ou observer les oiseaux du Québec. Très, très bien fait, très clair, beaucoup de cartes, beaucoup de bonnes idées. Aussi, le guide des sites d'observation des oiseaux du Québec de Jean-Pierre Pratt, c'est franchement une incontournable. Il y a les amis Flickr aussi qui sont, certains d'entre eux, vraiment généreux. Ils nous disent où trouver, par exemple, le petit duc maculé du parc en Grignon ou le hibou des marais du golfe d'Orval. À quel endroit se trouve le grand duc d'Amérique au boisé Papineau ou le pic chevelu du boisé Sainte-Dorothée ou la chouette Laponne du refuge Marguerite Duville qui est revenue cette année. Qui serait-on sans nos amis Flickr? Et quand on voit rien, qu'on ne peut pas filer vers les plaines inondées de baies du Fèvre pour saluer les oies blanches qui vont commencer à arriver, ou qu'on gèle, ou qu'on n'a pas de courage, eh bien, on se promène autour avec sa mascotte, même si la mascotte ne fait absolument rien pour aider notre cause. En fait, Nano les chasse, les oiseaux, et Choupette en a marre d'ailleurs. Hey, Nano, va jouer à la balle, là. Laisse-la tranquille, la pauvre chouette, là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le poing en l'air, abonnez-vous et j'attends vos commentaires.